C'est M. Ouattara Hamed, guérisseur-voyant. Et je suis à Yopougon, Niangon Sud, à gauche. Grand dépôt de boissons, au terminus 27. Dès que vous arrivez, vous appelez, on vient vous chercher. M. Ouattara Hamed est là pour la solution. Et aujourd'hui, je vais parler de la sorcellerie. La sorcellerie. Aujourd'hui, il y a les gens qui disent qu'ils ont diabète, tension. Souvent, ce n'est pas simple. Souvent, ce n'est pas simple. Il y a quelqu'un, mais tu peux causer avec lui aujourd'hui. Il s'en va dormir. On dit, il est parti, que c'est AVC. Tout ça, c'est pas simple. Les gens profitent pour lancer les sorts aux gens. Donc, je suis là et j'ai la solution. Il y a les gens qui travaillent. Après, maintenant, on dit que c'est la tension. Il ne peut plus aller au travail. Un côté est gâté. Tout ça, M. Ouattara Hamed est là pour la solution. Mais je vais vous dire, quand ça prend trop du temps, moi, je ne traite pas. L'argent est bon, mais l'homme est plus bon que l'argent. Moi, c'est à partir de 5 ans, 6 ans que je traite. À partir de 10 ans, je ne fais pas. 5 ans, 6 ans, il n'y a pas de problème. Je traite ça. Je traite ça. La tension, si tu es paralysé. Diabète aussi, même si c'est monté jusqu'à 5, je fais, ça va descendre. Il y a pour les gens aussi, ils ont tension. Souvent, pour eux, là, ça descend, ça ne monte pas. M. Ouattara Hamed est là pour la solution. Je suis là pour la solution, pour vous aider. Et je suis à Yopougon, Niangon Sud, à gauche, au dépôt de boissons et au terminus 27. Dès que vous arrivez, vous appelez. Mon numéro WhatsApp, c'est le 225 07 65 46 20. Le 07 65 46 20. Et j'ai le 40 38 32 00. Et j'ai le 57 51 87 98. Aujourd'hui, il y a les gens qui sont là. On dit diabète, c'est quand tu manges le sucre que tu as ça. Que c'est héréditaire. Mais il y a les gens même là, leur papa n'a pas ça. Leur maman n'a pas ça. Mais lui-même, il est diabétique. Il faut comprendre quelque chose. Que quelque chose en bas, ça cloche. Et je suis là pour ça. Parce que dès que tu dis que tu es malade, moi, ce n'est pas mon médicament. Les trois feuilles, là, je ne donne pas ça comme ça. Je prends pour préparer, pour donner, mais je ne donne pas ça comme ça. Je regarde d'abord avant de donner. Si c'est simple ou bien si ce n'est pas simple. Parce que je travaille avec le courant. Et je travaille avec mes trois feux qui combattent beaucoup de choses. C'est ça aussi que je prends pour préparer les savons et préparer le parfum. Même si tu dors, matin tu te réveilles, tu te sens lourd, ça ne va pas. Tu as mal aux pieds, tu es paralysé, maux de tête. Palu, je prends pour aider les gens. Même si tu n'es pas là, que tu es à l'intérieur, tu m'appelles et fais ton colis pour t'envoyer. Mais avant de faire, je consulte d'abord. Tu m'envoies ton nom et prénom, plus ta photo. Je consulte. Je sais comment m'arrêter et envoyer ton médicament. Parce qu'il y a les gens, ils se traitent. On les envoie médicaments, c'est bon. Mais dès que la personne même touche le médicament, c'est gâté. Mais moi, si j'ai des prières que je fais dessus d'abord, je regarde dans le Coran, il y a des prières que je fais dessus d'abord avant d'expédier médicaments de la personne. Et c'est comme ça que je travaille. Je suis là pour vous. Tous ceux qui ont des problèmes de maladie, ils n'ont qu'à contacter M. Ouattara Hamed. Aujourd'hui, il y a les femmes qui ne font pas enfants. On accuse souvent les femmes. Souvent, les garçons même sont dedans. Il y a les garçons stériles. Si le superbe n'est pas bon, même si la femme, elle est bien portante, on ne peut pas faire d'enfants. Donc, toi, garçon aussi, il faut te traiter. Il faut te traiter. Il ne faut pas qu'on accuse les femmes souvent. Donc, je suis là pour ça. Chez moi, quand tu viens, je dis, va contrôler ton taux de sucre d'abord. Si tu es diabétique, va contrôler. Va contrôler. Si c'est 3 ou bien 4 ou bien 5, quand je te donne mon médicament, il faut faire le traitement au moins une semaine. Va essayer. Va contrôler encore. C'est toi-même, tu vas m'appeler pour me dire que voici M. Ouattara Hamed. C'est descendu un peu. Maintenant, tu vas continuer le médicament. Ce n'est pas comme si tu vas prendre le médicament une semaine et puis c'est fini. Hein? C'est un traitement. C'est un traitement que tu dois suivre, ça. C'est comme, même tous ceux qui sont en France, en Europe, que j'envoie leurs médicaments, souvent c'est comme ça que je fais. C'est un traitement. Si j'envoie que c'est fini, la personne me fait signe, j'expédie encore. C'est comme ça que je fais. C'est comme ça que je fais. Monsieur, c'est comme ça que je fais mon traitement. Et aujourd'hui, il y a les gens même qui sont là. Ils disent, comment, quand je dors, je rêve. Je fais des mauvais rêves. On me poursuit en rêve. Souvent, je suis dans le trou. Souvent, c'est pas bon. Souvent, je vois feu en rêve. Souvent, je ramasse l'argent en rêve. Quand c'est comme ça, il faut contacter M. Ouattara Hamed. Aujourd'hui, de nos jours, nous qui faisons le travail, on est beaucoup. Le sel ne peut pas se dire qu'il est doux. C'est quand tu manges ton repas que tu dis, hey, c'est doux. C'est le sel.
Donc moi, monsieur Ouattara, mais il ne tape pas ma poitrine pour dire que je suis fort. C'est les gens même, eux-mêmes qui disent que je suis fort. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne croient pas. En Afrique, il y a beaucoup de choses. Les Européens même là commencent à croire que l'Afrique, il y a beaucoup de choses. Parce que moi, j'ai des clients européens, blancs, comme américains. Souvent, ils ne parlent pas l'anglais, mais ils ont des frères. Ils ont des camarades qui sont français, qui parlent le français. Que je, quand je leur dis, ils sont intermédiaires. Ils sont malades, j'envoie les médicaments, ils se traitent. Ça va, c'est comme ça. Moi, je fais mon travail, je ne trie pas. L'Afrique existe, il y a beaucoup de choses en Afrique. Il y a beaucoup de choses en Afrique. Mais si tu ne tombes pas sur le bon, c'est ça, tu vas dire que l'Afrique, il n'y a rien. L'Afrique, il y a beaucoup de choses. L'Afrique, il y a beaucoup de choses. Là, je commence, et ça, je répète, là, il y a beaucoup de choses en Afrique. Tous ceux qui sont africains, donc, même les Européens. Aujourd'hui, quand tu es malade, souvent, mais il y a les gens qui sont malades. Ils sont en France comme partout dans le monde. Ils font à l'hôpital, ils font les examens, ça ne va pas. Quand on contacte M. Ouattara Hamed, j'ai la solution pour ça. Et je te conseille, ça je dis là, dès que tu m'appelles, tu es en Europe, que tu veux consulter ton nom et prénom, plus ta photo, date de naissance. Moi, je te consulte à distance, je te dis qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que tu as. Avant de consulter aussi, moi, je ne veux pas que quelqu'un subisse son problème. Par exemple, si tu vas à l'église, il y a les gens qui disent « Ah, moi, M. Ouattara, je vais à l'église. Je veux que tu m'aides. J'ai tel problème, j'ai telle maladie, j'ai tel problème. » Il n'y a pas de problème. Là, c'est la personne lui-même qui a décidé. Mais si tu veux une consultation avec M. Ouattara, il ne faut pas expliquer ton problème. Moi, je regarde et puis je vous dis ce que je vois. Je vous dis ce que je vois. C'est comme ça M. Ouattara Hamed travaille. Tous ceux qui m'ont contacté déjà savent. On dit quand les gens sont là, ils disent « Moi, je ne mens pas à vipère, je ne mens pas à vipère. » Mais au moment où tu vas savoir que vipère est doux, les gens ont fini de manger. C'est comme ça. Monsieur Ouattara Hamed est comme ça. Donc, je suis à Yopougon, Niangon, sud à gauche, au grand dépôt de boissons, au terminus 27. Dès que vous arrivez, vous appelez. Mon numéro WhatsApp, c'est le 225-07-65-46-20. Numéro WhatsApp, 07-65-46-20. Et j'ai le 40. 38 32 00 et le 57 51 87 98. Dès que vous appelez le numéro, comme on n'a pas assez de temps, celui qui veut en savoir plus, il m'appelle, je vais l'expliquer comment je travaille.